L'initiative de recherche sur les actions collectives des femmes est un projet de recherche, d'apprentissage et de communication. Le but est de mettre à jour et disséminer les évidences sur les meilleures pratiques de renforcement des moyens d'existence des femmes rurales à travers les actions collectives en Afrique au sud du Sahara. Ce projet de recherche est conduit par Oxfam en partenariat avec l'Institut Royal pour les Tropiques. Les femmes représentent une proportion très importante de la main-d'œuvre agricole. Toutefois, l'insuffisance notoire de leur accès aux ressources essentielles et aux services, couplée avec un marché d'accès biaisé sur le plan genre, conduit à une perte du potentiel productif dans l'agriculture. Ceci limite aussi fortement les possibilités des femmes à gagner le revenu nécessaire, pouvant leur permettre de se hisser hors de la pauvreté. C'est dans cette optique qu'Oxfam a initié une série d'ateliers sur la participation effective des femmes dans les marchés agricoles. Les différentes rencontres ont concerné les femmes des régions du Koulikoro, Sikasso et du district de Bamako. Une initiative bien accueillie par les acteurs concernés. Et Oxfam a une initiative humaine. Parce que aucun projet n'a pas été fait. Nous sommes tous les gens ni jeka bara in kon nana muso be se kan nafa soro chugun abina damna foka tabla suku kon na ugan nafa he me akon nan no kon hakil nana initiative ni mande do parce obe ka yira de har ni muso ni chew jera barala muso uku joro fa afa nafa fa na me uka se ku ugan nafa fa na soro c'est une première et vraiment il est venu à point nommé parce que vous savez les femmes sont présentes sur toutes les chaînes, sur tous les maillons de la production agricole. Tout dans l'agriculture avec grand A, élevage, agroforesterie, pêche, agriculture. Mais malgré les efforts fournis par les bailleurs, les décideurs, on voit que les femmes sont toujours au même point. C'est toujours le niveau de pauvreté accru. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui fait ça? Malgré qu'on les donne des équipements, malgré qu'on les forme, tout ça là. Bon, maintenant, avec ce projet-là, ils sont en train de faire une recherche par rapport à ça. Où se trouve le point de blocage. Et vraiment, ça vient à point nommé. Parce qu'on a remarqué que les femmes, on les équipe, on les forme, on les donne des fonds de roulement, elles restent à un niveau. Parce que le bailleur qui donne ce fonds-là ne regarde pas après ce fonds que j'ai donné à ce groupe de femmes. Qu'est-ce que ça leur a apporté? Parce qu'en réalité, l'équipement qu'on a, on fait la production avec. Mais ça s'arrête là. Ce qu'on produit et qu'on va vendre, arriver au lieu de vendre par exemple, on a un blocage parce qu'on est en face de gens plus forts que nous, financièrement, matériellement, tout ça là. Donc on est bloqué. Donc on ne tire pas le bénéfice de ce qu'on espérait avoir. Donc c'est cette recherche qu'on est en train de faire et avec ça, on sera mieux outillé pour venir vraiment à bout de la chaîne de production. En fait, malayambi, ni musou mairoa, chaute iroa, ni musou mairoa, doute iroa. Atelier limbe ato anga musouka senegefem, uka baile mali, ubseka do bara, kata chigefrola katabla, baile malla katabla ferirola, ubseka to anga nafa, ambeseka nafasro, anga chigefem. Aungere katon ereske kuye ni kala nyongi ni. On y a un gâteau, c'est un plan d'action que de mes bras de neuf pour que vous cassez quand il y a donc, on veut dire qu'on a qu'une campagne, qu'on a façon dira, on a pour qu'on cassez quand on cassez n'est qu'un enfant, on va faire à la nichi, de mes bras de clou nichi. Parce que nous sommes ce qu'on met, qu'elle a ni, on a rien qu'on cassez quand on fera quand c'est qu'un enfant, voilà donc, on y tourne ce que combine, on monte une amgoy, on tourne ce que condo, on se casse un enfant, bon, allez, chez Califama. Je crois que ce projet vraiment c'est très très utile pour nous. Et car je crois que c'est une opportunité aujourd'hui que nous pouvons se trouver quand même dans la filière et l'importance même de la filière par rapport à tout ce que nous sommes en train de mener. Ça va quand même nous aider quand même à améliorer les marchés potentiels de tout ce que nous produisons et quand même ça pourrait nous aider aussi à connaître mieux et nos productions par rapport aux filières porteuse au niveau et de notre cercle. Yelalinga mata pamana kunona.
Les travaux de ces ateliers ont notamment porté sur l'inventaire des filières dans chaque région. Il a aussi été question de la hiérarchisation, de la validation des filières, de l'explication du concept filière et de sa catégorisation, de la clarification du concept d'action collective des femmes et de soutien au processus. Filière, c'est de la production à l'assiette, c'est tout. C'est-à-dire quand un produit quitte le champ et dans l'assiette. Si c'est la viande, on dit de la fourche à la fourchette. C'est-à-dire c'est les étapes par lesquelles un produit passe dans les différents systèmes de production, de transformation, de consommation, jusqu'au niveau du stade final de consommation. La filière, la définition, elle fait l'objet de polémiques. Mais depuis ce matin, déjà, on vous a expliqué que c'est un ensemble de systèmes, depuis la production à la transformation jusqu'aux différents sous-produits, d'une culture. Je crois que elle est plastique, la définition. Mais ce qu'il faut comprendre, simplement, on pourrait dire que quand je prends une culture, je parlerai de filière. Il s'agit de toutes les personnes qui se nourrissent de cette culture, soit directement à travers la production, la transformation, ou même à travers la fourniture de services. C'est ça l'ensemble des acteurs d'une filière. Et cet atelier, vraiment, il est exceptionnel parce que ça regroupe aussi, comme vous avez le remarqué, toutes les filières. Oxfam, d'habitude, traite avec les femmes des zones coutonnières. Aujourd'hui, c'est toutes les filières qui sont représentées ici. Moi, je suis de la pêche. Bien vrai que je suis la vice-présidente nationale de la FENAFER. Il y a toutes les filières qui sont là. Et les femmes parlent. Et puis, c'est devenu comme une table ronde des femmes, un cadre de concertation pour nous aujourd'hui. Les femmes se sont exprimées, on a remarqué vraiment là où il y a le blocage. Cet atelier, je dis merci aux organisateurs. On a démarré ce travail avec l'ambition vraiment d'avoir un dialogue avec les actrices qui ont la main dans la pâte des différentes filières, des différents marchés agricoles. Et là, je suis très contente d'avoir déjà une forte présence des femmes qui sont vraiment dans les activités économiques et puis des débats très, très actifs et même voire un peu chauds juste tout à l'heure par rapport à qu'est-ce qu'elles voient comme les priorités de type de marché d'intervention. On a des femmes qui sont plutôt dans la production, d'autres qui font aussi la transformation, d'autres qui sont dans le commerce, donc à chaque niveau de la chaîne et donc qui ont une réelle connaissance de la problématique et qui nous donne aussi des exemples déjà d'organisations sur lesquelles on peut ébattre et apprendre. À travers ces cadres d'échange sur le genre, l'ONG Oxfam souhaite tout simplement œuvrer pour l'implication juste et équitable des femmes agricoles aux côtés des hommes. Cela pour assurer une survie des filières qui ont une forte valeur ajoutée au Mali. L'implication des femmes se fait de façon séparée ou au même titre que les hommes. L'objectif recherché est de promouvoir d'une façon collective et commune les rôles des femmes dans les instances agricoles. Bi kala imbe joda bata ne ka bara la sabu ka daka ani munu muso munu ngole londo bi no be ka bara ke yanno kala en ke yanno ne ne ul muso kele nu fene de be bara ke la nga bara ke yoro la donc nu e fam yale soro ya mi ne fene ka bara yere no ya avec sabu bi u be hati na chama waro soro ne no mesega to bara nu tabulo bi se ka yela mani nye taka ko mu ko no nai muso be de la 600 sugu nyini ni na u yere u ka se ka sugu nyini uyere yi ube senefe munu kera ubuse ko fere sugu la chugu kasu soro ni ka se ka senefe nunu fere ni ka na fa soro la ka se ku bono wala amo kala ho ku munde kono na bi bara fe fe me mana wule ka fo ko demem bi se mo ma a demem a chama ti se wal kele filibi ka bara la nga bibila bara na na ira ka fo de aka se ka je ka bara ke nyon fe aw ni olu chugu minu na filika na bo ala ko fe ambise ka soro chuko mina ka fo ka la soro deme min kanga la se ama akake deme nje yale nye akadonga fo ni deme akanga se ni mko yere yere di majati ni deme suka di kanga su majati fo uluma le de kake ka fileru uluma ka don nu de mako bane na akanga la se ulu de ma ambo bara de ko nana nabi muso interesse le ndala ko sebe parce bara fin fin na fora muso be do ka bela mais u ye jete mina ke mu yere 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 de se ka ke muso ko kata malula kata nyola kabla e karité ani sezam ani tiga ru bara dama dama na sugandila drama beba lon kafo muso hakli na yere doyi ani projet bara te muso bo barake
déjà ka kor donc ni taraw la tun ka fo ki ko barake pour que ka nafa sor la ne akla muso kan ka o baram no o sérieux la hakli dum fana bala muso munu be an no déjà o luka région sénégal au dedo barake la au dedo hakla baray kon wata sérieux la an kon be wolli min blok bara de do nu ya di muso ma de me baw ya ngani anyi an muso an gan chesri pour que baray ni an gan nafa be se ka sor la chugun kalaba ka ta se jaja koro Il existe plusieurs formes d'action collective telles que les groupes de producteurs ruraux, les associations de fermiers, les coopératives agricoles. À celles-ci s'ajoutent les formes d'action collective de l'épargne, les groupes de crédit ou encore les écoles agronomes. Toutes ces formes de groupes permettent aux petits producteurs, particulièrement les femmes, d'être autonome et de trouver des voies mieux appropriées pour accéder aux différents marchés agricoles. D'où l'action collective qui fait référence aux différentes formes d'activités agricoles menées ici en groupe. Les participants examinent 6 filières. Il y a la semence, on produit, on transforme en plusieurs sous-produits, etc. Il y a le son, etc. Donc avant qu'on ait une unique caractère, on va donner un peu de temps avec vous demain. Pour que l'on ait un sens, on a fait un peu de temps. Donc, on a un projet qui a été fait. Le projet de l'homme a été fait. Il y a un tableau qui a été fait pour que l'on ait un peu. Ces travaux de groupe, c'est la phase de catégorisation. Donc, comme vous avez vu, on a fait une liste longue de filières à partir de l'expérience des femmes sur la région. Après, on a essayé d'apprécier par rapport à deux critères. Quel est le niveau d'implication, de participation des femmes par rapport à chaque critère et quelle est la place de cette filière par rapport à l'économie du marché. Donc ça nous a permis de faire un premier tamis pour avoir un certain nombre de filières qu'on a catégorisées par rapport aux céréales de consommation, par rapport aux cultures de rente, par rapport aux cultures à haute valeur économique mais traditionnelle et par rapport aux cultures à haute valeur économique mais qui nous a été apportée de l'extérieur. Donc il s'agit maintenant de prendre un produit par rapport à chaque catégorie pour essayer d'approfondir l'analyse par rapport à cette étape. Donc les femmes vont nous dire maintenant par rapport aux produits qui ont été choisis, 1000 sorgho, quelles sont les étapes au niveau desquelles les femmes sont impliquées de façon collective. En fonction, que ce soit la production, que ce soit la transformation, que ce soit la commercialisation. Donc ils vont déterminer et en matière de sous-produits, quelles sont les fonctions assumées par les femmes et quelles sont les organisations qui travaillent dans ce domaine et ces organisations sont dans quel cercle, dans quel village, dans quelle commune. Maintenant ça va préparer toute la stratégie qu'on doit monter après pour essayer de faire le ciblage quand on veut aider le groupement des femmes en Sora par rapport au mille sorgho, à quel niveau elle travaille, par rapport au karité, à quel niveau elle travaille, par rapport au sésame bio, à quel niveau elle travaille et par rapport au poisson et par rapport à l'arachide. Pour les formateurs, l'action collective permet de générer de nombreux avantages pour les petits exploitants, pas seulement les femmes. Ils soutiennent qu'en dépit de nombreux efforts consentis, les femmes agricoles sont confrontées toujours à des barrières qui les empêchent de participer pleinement aux actions agricoles dans les pays au sud du Sahara. Pour elles, les raisons de ces difficultés résident dans le fait que les acteurs hommes n'arrivent toujours pas à comprendre que la participation des femmes aux actions collectives peut apporter un plus à l'objectif recherché, c'est-à-dire diminuer le coût de la vie. Les femmes sont dans un groupe hétérogène. Parce que, vous savez, on est en Afrique, les femmes dans un groupe hétérogène, il y a beaucoup de pesanteurs. Il y a des problèmes de sociaux, il y a des problèmes de capacité, il y a des facteurs de blocage humain. Donc, la méthodologie, c'était vraiment de trouver toujours un moyen dès le départ pour briser la glace, pour mettre tout le monde au même niveau d'information. La deuxième stratégie, c'était de travailler aussi en les préparant pour dire que c'est elles qui sont au cœur de ce processus et qu'elles doivent agir. Et on est à un moment, si elles n'agissent pas, ce projet est fait pour avoir leur avis personnel par rapport aux questions, aux défis qui se posent à elles par rapport à leur développement. Le troisième niveau, ça c'est des outils méthodologiques qu'on a utilisés. Ça c'est quoi? C'est des questions. C'est des exercices structurés qui permettent de faire rire les gens. C'est des exercices de détente et aussi c'est de l'approche participative avec des outils actifs de communication pour les permettre, à travers des questions, même si tu ne veux pas intervenir, on te pose des questions pour t'obliger à intervenir. Donc, on essaie d'associer exercices de détente, exercices structurés, questions participatives pour les amener vraiment à faire participer à ce débat-là. En ce cas, c'est quoi une filière dans un atelier régional, la filière Bidourou Aninani.
mɛ an natɔ bamakɔ national la ani naani de nana ala y'a kɛ bitugu sigɛsigɛli la o k'o be saba ta o saba la saba min nara ta anw ye o ye malo ye musow cɛsirilen dɔ malo sɛnɛ kan kosɛbɛ filana o ye si depuis si jiri fɔ n ka na se a tulu bɔli ma filiyɔrɔ foyi de tɛ a la donc si nara ta o tɛmɛlen kɔ ne ko sikaso e ko ncɔgɔn an ye ncɔgɔn fana ta ncɔgɔn nafa yɛrɛ bonyara sisan fɔ a mugu bɛ bɔ a ji bɛ bɔ a yɛrɛ jalan bɛ ɲimi donc an ye o saba ta o bɛnna anw ma musow bɛ baara kɛ olu la kosɛbɛ o fana bɛ se k'an ka ɲɛtaga sabati transformation bolo kan kulukɔrɔ anw ye fɛn naani ta ayiwa u bɔra n fɛ u taara sikaso mɛ an nana min ye bi u bɔra sikaso ni naani u bɔra kulukɔrɔ ni naani an nana naani in tɛntɛn kura ye k'a lajɛ naani naani fɛn naani na musow jɔyɔrɔ yɛrɛ de ka bon fɛn jumɛn na a kɔnɔ an taara fɛn saba ta o fɛn saba ye fɛn jumɛn ye o fɔlɔ o kɛra keninge ani saɲɔ filanan o kɛra tiga ye sabanan o kɛra bɛnɛ bɛnɛ hɔrɔn donc o min y'o ye an bɛ don min na komi bi muso bɛɛ bɛ se ka dɔ k'o la min bɛ nafa lase an ma bari nin fɛn sɛnɛ tɛ min sugu ka teli an y'a kɛ ka da o yɔrɔ de kan. Ce projet s'intéresse à un groupe cible déterminant dans le développement agricole du Mali. Bien sûr, il s'agit des femmes parce que je pense que le mode d'intervention ciblé, c'est-à-dire travailler sur des filières prioritaires permettant une augmentation du revenu des femmes et un meilleur positionnement.